Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fer, j'espère que vous allez bien. Nous reprenons l'aventure de Wotelka en une vie avec notre mage Fufu. Fufu le Fufu. Alors, dis donc, juste avant la pause repas, enfin goûter plutôt, on n'avait pas vidé notre inventaire. Chose que nous allons faire maintenant, désolé, c'est pas méga fun. Mais bon. Déjà, je veux vous épargner la pause goûter ainsi que la vente de caca. Grâce à la donne, Dieu merci, elle existe. Je vais quand même prendre putre point Luzran. Au cas où il y a des gens, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens connectés, vu qu'on commence à arriver à l'horaire. L'horaire fétiche. De semaine, hein, où vraiment tous les gens qui rentrent du taf commencent à se connecter pour jouer l'après-midi. Ou plutôt en ce qui reste de la soirée, de la journée. Alors. Obtenir griffe du seigneur des faux. Oula. Est-ce qu'on ferait pas les gnolls? On est toujours en recherche donjon, hein, pour tous ceux qui étaient là sur l'épisode d'avant. C'est une suite directe. Je vous ai juste épargné une petite demi-heure de pause goûter. Hélas! Hélas, je n'ai pas pu me regarder des Brooklyn Nine-Nine. Le site était down. Du coup, je suis juste allé sur YouTube. Et j'ai regardé un best-of. Et j'ai regardé... Attends, mais les chamans... Ah, les chamans, fallait aller aussi loin que ça? J'ai regardé un best-of de JDG Twitch. Les fameuses soirées du lundi. Et là, c'était You Suck at Parking. Un bon jeu pour rager, j'appelle ça, moi. Faudrait que je fasse une micro-pause juste pour me laver les dents. Ils sont 18 là-bas. Oh là là. On peut tellement XP au level hein, quand même sur les deux premières zones F200 et puis drainer. Je trouve quand même les zones drainer beaucoup plus faciles. Hein. Il y a nos matchs. C'était le fameux endroit où j'avais failli claquer hier. L'intime espoir d'arriver à trouver quelqu'un. Du coup, nos buffs se sont bien épuisés. C'était une bonne idée de rester connecté, Fire, t'es un génie. Non, y'a personne. Pour le moment. Parce que la quantité d'ennemis qu'on doit descendre, on doit buter Signol, 8 bâtards et 4 chamans. Non, c'est 6 charognards, 4 chamans, vignon. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit. Pas de sous. Dommage, nous n'avons pas de contresort. Du moins pas à ce niveau. J'ai gardé ma bouffe. Ma bouffe et mon eau invoquée. Super. Mmh. 50 minutes d'attente. Eh ben mon cochon. J'espère. J'espère qu'on va arriver à trouver du donjon. C'est risqué, mais ça donne vraiment beaucoup d'expérience. C'est à double tranchant. Parce que moi, j'aimerais ne pas passer ma vie dans cette zone. Moi, j'y reste, plus je serai heureux. C'est quand même très dangereuse.
C'est la période où faut pisser tous les trois mobs là dès que tu veux avancer. Trois mobs, pose boisson. Trois mobs, pose boisson. Trois mobs, pose boisson. Good. Oh, un petit joueur de plus ça pour m'aider pour quêter, ça serait top. Soit avec ton éclair. Est-ce que je suis pas obligé de faire comme tactique pour... Ah, il y a un coffre. Oh, let's go. J'avais pas du tout vu le coffre. Je faisais vraiment pour le charnière de base. Je vous jure. Tissu. Pantalon de guerrier. Étrange tissu. Ah non, on a eu un anneau changeant, mais t'es sérieux quoi. Ta grosse race. Compliqué. Hein. Je sais que je dis souvent ça. Ouais, c'est vrai. Oh, putain, il est parti mourir là-bas, évidemment. Qu'est-ce qui nous manque là? Trois charognards à Niol. Hein. Okay. Je propose de sortir parce que ça risque de nous respawn sur Niol sinon. Et on va cleaner sur les côtés. Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns. J'attends qu'ils reviennent. Ils reviennent tous de toute façon. Charnière à Niol.
je trouve une glande à soie aussi de... pour ma fameuse robe de Tol Saddoum, hein, c'est un peu le nom de l'épisode. C'est pour la fameuse robe de la quête mage qui me demande de choper du lin et également. Une glande à soie. C'est long. Explosion pyrotechnique. Allez, clan d'assaut maintenant. Quand sera bon pour aller faire les... les gargouilles. Très bon. On va longer. Ah, si c'est le chemin de Luzran, il me semble. Parce qu'on l'a vu se balader tout à l'heure. T'as en plein milieu de mon chemin. Il faut que tu décèdes. Hein. Celui qui est à gauche me fait peur. Deux fois qu'attente un truc vers moi là. Oh, je l'avais dit qu'il casserait les couilles. C'était sûr. Sûr. Parce qu'il faut buter toutes les ailes là-bas. Choper un objet. Et également les fantasmes. Pour objet également. Une heure de recherche. Bah, peut-être que sur les coups de 18h, 19h, ça devrait proc. Ça saoule parce qu'un rage-feu là, ça me permettrait de jouer un truc de malade. C'est vrai, ce n'est plus le week-end donc on aura des gens un peu plus sérieux. Mais on a de moins de gens en semaine. Critique là. Ah oui, copain. Ouais, on va goûter l'expérience en jeu, enfin en groupe, pour la première fois sur la série de du défi Une vie. Je suppose qu'il doit avoir il doit avoir la quête. Est-ce qu'il a course vent? Ouais, il a course vent. Oh, ah ouais, course vent en vrai. J'aimerais qu'on le fasse à deux. Alors désolé, hein, c'est pas parce que j'ai envie que tu me carries, mais j'ai besoin de régène. C'est plus 3 points qui passent par là. Apparemment, il lui faut les gargouilles. Hein. Ah. Je me sens plus en sécurité avec un mec à côté de moi.
Il veut que les gargouilles. Hein. Ok, moi les gargouilles, je suis bon. Par contre, les chercheurs. C'est jalouse. Hein. Je vois qu'il y a les plaques d'activer lui aussi. On va voir si t'as un gros coup de chance. J'avais pas vu son nom, Ruben Salam. Corbin Dallas, il tue une vitesse. C'est bluffant. Je vais lui demander s'il veut faire course avant. C'est les chercheurs fantasmes qu'il me faut. Et les tueurs, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, c'est les chercheurs qu'il me faut. Fragment de gargouille. Apparemment, il a eu ses quatrièmes. Hein. Il me manque deux encore. Je sais pas si lui il en faut. Ok, moi c'est bon. I'm good. Il en faut. Encore. Oh, what? Pourquoi il s'est fait boucler les yeux, hein? Je vais dire reprendre la flèche de course avant. Une interrogation. Je sais que lui il est là. J'ai fait un shift clic droit en plus. Enfin un shift clic gauche pour la quête. C'est juste en dessous. Le mec d'écho, qu'est-ce qu'il fait mon... Il a d'écho. Bon bah écoute. Merci pour le coup de main quand même, c'est gentil. Bon bah puisqu'il a d'écho, je vais faire les plans des elfes de la nuit. C'est plus facile, comme ça je pourrais choper mon niveau 16. Du coup, faut que je retaque donjon. Ah ah, il y a un tank. Ah, ça reprend mon temps passé en film. Ah non. Non, il y avait écrit 1h04 et ça vient de repasser à moins d'une minute. Ah, j'allais dire, putain, c'est trop bien fait. Du coup, ça m'avait surpris. C'était obligé qu'il allait avoir une couille. Bien fait et que c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est.
Mais meurs, saloperie. Mais bon sang, est-ce que tu peux te nouiller? Bon, l'expérience que Keating a été très brève. T'as le mec il s'est déco en plein milieu des monstres, hein, genre. Ouais, c'est bon, c'est normal. Sans que lui joue pas en une vie. Hein. Bon, on va reprendre ce qu'on avait fait la dernière fois. J'ai jamais entendu. C'est musique de roue, j'ai jamais entendu celle-là. Jamais entendu, pourtant on y allait à cet endroit hier. Oh non, bâtard. Ah, il s'est remis full vie en plus. Je n'ai jamais entendu cette musique. Ça va être le niveau 16 à ce monstre. Ah bâtard! Oups. C'est le niveau 16, un niveau de plus en flamme. Flèche de course, non. Putain, ça fait chier hein, parce que celle-là elle est vraiment dure. Hein. Je vais l'abandonner. Hein. Liqueur pourrissant, enquête. Ah, les joujou troll et tout. Oh! Allez, pierre de foyer et on fait une petite pause lavage dedans, les amis. J'ai bouffé énormément de sucre. Validera quand on viendra. J'en ai pour maximum 3 minutes. Pas de panique. Restez là.
Les amis. Voilà. On s'approche. Il fait quand même plus chaud aujourd'hui, hein. Mon pull que j'avais sur le dos que j'ai mis hier après la douche, là j'ai un peu de mal à le supporter. Alors qu'il est ouvert. Hein. Tiens donc, il flotte. Même dans le jeu. Alors, tac. Le soleil éternel. Une robe simple. Pourtant, c'est une robe qui fait 6 d'intel. Non, mais la baguette d'Arcaniste est indispensable. C'est une baguette qui fait de l'intelligence. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette baguette, on va la garder longtemps en fait. Des baguettes qui font des bonus de caractéristiques. Oh, ce timing de bâtard! Je l'avais dit, hein, 18h et des poussières. Alors, serrage-feu. Oui, les gens partagent des quêtes, j'ai même pas besoin. Je vais faire de l'eau aussi. Comme ça, on se met sur de bonnes bases. Je vais juste valider ma quête. Et c'est parti. Allez, ready. Avec une quête. Only one quest. Sad face. J'aurais peut-être dû aller en Grimard pour. Choper plus de quêtes. Hein. C'est ça, c'est Fossoyeuse. Ah oui, donc c'est le mort-vivant qui a dû prendre. On a chasseur, prêtresse, druide et guerrier et mage. C'est bien, on est tous de classes différentes. Pour une fois qu'il n'y a pas 18 paladins F200 dans la même team. Hein. Faites ce que vous voulez. Le groupe avancé. Ouais. Moi je joue mage, je bois. C'est ça le gameplay de mage. C'est un gameplay passionnant. Ça va être une baston d'endurance. Oh là là. Ah, je maîtrise des bêtes l'arc chasseur.
Et plus de mana. Et on reprend le gameplay de nage. J'avais dit 18h, 19h et que ça allait proc. Ça a pas loupé. À 5 minutes près, quoi. On a gagné dans l'argent. Un distributeur de boules de feu. Une fontaine à eau. T'es une fontaine à eau, genre au taf, en tant qu'hommage. En sortie de donjon, t'es là pour filer de l'eau et boire de l'eau. XP par fouisseur. On la tue très très vite. Le prêtre est en héritage. T'explique pourquoi j'ai jamais vu utiliser mon dos.
le gameplay de DPS en donjon. Tu poses ta cervelle. Et t'es parti pour quelques heures. Alors c'est ici qu'on a la quête. Oh là là. Il faut ramasser les deux livres sur les sectateurs et les massacreurs. Démoniste aussi. Ah non, les démonistes et les sectateurs justement. C'est un objet consommable que t'as dans les tarides, oui, c'est vrai. C'était l'alcool du gobelin, là. On a une cape qui donne de la force, quoi. Quest. Silence, veut bien tanker. Nope. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. On a eu de l'expérience, on a eu des sous, on a eu le bonus journalier. C'est bien pour une première sortie. On va faire les cures pour les sangs. Allez. Dol Sadoum. 67 Intel. Si seulement on avait pu avoir des objets pour nous dans le donjon. Attends, mais nous on est tellement loin d'Argrimmar et des quêtes pour Rachefeu quoi. Doo-doo.
perds 1. 1 pour 5 monstres. Non mais la mana c'est infernal quoi. L'avantage, c'est qu'en sortant de donjon, on a plein de buffs. C'est le buff d'Endu et de Marc du Fauve. Ça fait bien plaisir. Une eau supplémentaire, enfin supérieure. Long les cœurs pourrissants. J'ai de la patience, mais là je dois avouer que c'est vraiment très 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 long. Il faut que je boive deux autres sources que j'invoque pour passer de 0 à 100% quoi.
Un tel que le feu pour purger les morions. J'ai toujours dit. Ah mais moi j'ai toujours dit. Un feu. Un grand feu. Ah, c'est votre solution à tout ça. Après ça va être tout ce qui est ombre peint. On a les Juju Trolls aussi. C'est pas des quêtes. Pas des quêtes sans danger, traduction. Il s'appelle Dragon Hawk, Dragon Faucon. Ok, 10 sur 10. Et la récompense nous intéresse même pas, hein. C'est juste pour l'expérience. Monte de 30 la puissance d'attaque contre le Morion. Puissance d'attaque, c'est tout sauf démoniste, prêtre et mage. Donc paladin chasseur, quoi, traduction. Je sais pas pourquoi c'est une récompense. Dans une zone elf 200, quoi. C'est bon, on a couture 50. On abandonne, c'est... En fait, on va... Quel garage malfaisant, je sais même pas c'est où. Je propose de terminer les quelques quêtes que nous avons ici. Et après, on va déménager... On va faire une grande aventure. Alors Grimard. Je sais, j'aurais bien voulu genre prendre le niveau 20. Comme ça je prends mon monture et je me casse à ce moment, mais je suis en train de réaliser que ça va pas être possible si je veux faire un rendement honnête et sans risque. Poussière de vertèbre. Vire-moi ça. Donc la puissance des sorts, tu vois, ça c'est bien.
problème, c'est que c'est galère à avoir l'objet. Et c'est plus haut level sur tous les monstres qui l'ont. Ça, c'est trop d'objets. Examen. Très bonne chose. Six courants de jumelles. Coûte 500 points de dégâts des arcanes en 5 secondes, réduit la cible au silence. What the fuck? C'était pas au même PNJ, c'est pour ça. Et ouais, il y en avait un sur la gauche. Ah, j'ai failli le louper, hein. Ça veut dire qu'il y a plus de 100 quêtes rien qu'ici, quoi. On envoie chier tout ça. Tu fais examen. Ça fait 16 monstres. Voir s'ils sont disponibles. Ouais. On va voir. J'ai un très mauvais souvenir des armes à ramasser. C'est pour ça que j'ai dit vas-y, dégage. On va juste faire les juju trolls parce qu'il faut juste tuer 8 trolls. Par contre, rentrer dedans, non. Sauf s'il y a quelqu'un qui est en train de le faire en même temps. On va apprendre à séparer. Voilà. À séparer le faisable du risqué. C'est difficile. Tant que je serai dans cette zone, j'aurai la musique de Nécropole dans les têtes de Heroes 3. Ça ressemble tellement! Bon, pas celle-là, mais quand même. Quand même. Est-ce qu'il y a autant d'exalong que de chasseurs de têtes? Parce que là c'est beaucoup. Dégâts d'ombre subis sont augmentés de 20. Ah oui, d'accord. Je
vois le joueur maintenant. Il a l'air d'avoir autant l'un que l'autre. Okay. Bon, au pire, on fait celle-là. Et on fera du joutre là après. C'est loin d'être rapide, mais c'est relativement safe tant qu'on ne se prend pas un respawn sur la gueule. Donc on va décaler un peu. Dès que la pause régène est terminée. Déjà de cette offre de haine. Démonius et les druides sont en train de faire la quête des lynx. Calme, il n'y a pas de patrouille, il n'y a pas de monstre 21 élite avec 2100 de vie qui se balade pour essayer de te tuer, t'as pas de respawn violent sur la tronche. C'est super agréable.
Oh, y'a un coffre. Oh, je l'ai pas poule. Trop bien. Cette délice de déviant. Mais qui fait une endurance. Bah, génial, génial pour nous. Il manque un check. Et après, on est bon pour cette quête. Je vais me prendre tous les bouts de terrain mal taillé possible. Cette musique qui me fait tout le temps penser à la nécropole d'Hieros 3. Non, 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 non. Casse-toi avec ta quête Mars. Il me faut un vendeur. Go faire le juju, après ce sera Pierre de Foyer et on entame notre grand voyage. Donc, si un donjon veut proc, c'est le moment. Ça, comment ils t'attendent tous à l'entrée, mais ça fait tellement de guet-apens quoi.
Et plus que deux, ça s'est vite fait. Dommage qu'il n'y ait eu personne. J'aurais bien voulu compléter l'enquête et ou l'escorte. Let's go. On avance, on avance, on avance. Ça va, ça va. Imhotep, Imhotep. Ça c'est giga risqué d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça c'est non, faut y aller à fond. Ça je sais pas par contre. Ouais, c'est loin, vas-y. Balèze, tac. Et go, capitale. La victoire nous attend. Go capitale et on va faire un petit voyage. Allez, petite halte table les amis. Nous disons adieu au bois des champs éternels, également les terres fantômes. Je vous cache pas que j'aimerais bien faire du donjon, choper mon niveau 20 et choper la monture, c'est juste à côté, ça me cassait la boulasse de revenir. C'est vraiment loin. Enfin, je demande au garde où est le maître des couturiers. Les tailleuls. Je sais même pas où est la banque dans cette capitale. Il n'y a pas un seul garde. Tu peux attendre 17 heures de l'heure, ce serait éventuellement par là.
éventuellement maître d'armes. On a déjà pris épée et puis... Ouais, que dalle. On a déjà pris épée et... dague avec mage. Juste à côté. C'était un peu évident avec ce mec juste devant. Bon bah c'est bien, c'est pas loin de l'HDV. Enfin, tu vois, tailleur. Mettre des tailleurs, parce que moi je suis passé 50 entre temps. Intelligence esprit, ok, non, monté à 65. C'est la session métier, c'est passionnant, n'hésitez pas à clipper. Blindé d'étoffe de lin. C'est incroyable quoi. Ça m'intéresse par contre.
Enfin, je m'achète deux cuirs légers. Parce que rappelons-le, vu qu'on est en défi une vie pure hardcore, on a accès à l'HDV. Ça va le faire deux cuirs légers, je pense. Deeper. Où est la boîte aux lettres dans cette ville de merde? Putain, t'as l'HDV en plein milieu de la place. Et y a pas de boîte aux lettres. Oh non, sérieux, ils ont pas pensé à ça. Là, y a une boîte aux lettres là. Parce que moi j'ai encore un objet blanc. Donc si je pouvais choper des bots qui font plus de intelligence, plus de endurance, je prends. Ah, la génitrice est de retour. Je pensais devoir fermer les volets. Je vais quand même faire ceux du dessus. Si jamais rentrer plus tard. Bon bah cool. Cool. Ça, c'est des bottes de bâtard. Pour notre niveau. Même si écrit niveau. Je gagne deux niveaux. Ça coûte 3 lins et pourtant ça nous fait quand même passer un niveau. Bon, bon, on va faire des chemises vertes. Ça coûte cher, ça rapporte peu de sous, mais ça coûte moins cher en rouleau d'étoffe de lin. Ça permet de passer un niveau. Puis surtout, ça me permet de finir le lin. Hein. Parce que là, j'avoue que je sais plus trop quoi en foutre. Et là, à ce niveau de couture, c'est laine. C'est passé jaune. Cap brodé de perles, 3 intelligence. Et botte en laine. Ouais, sauf que la laine, on n'a pas. Les brodés de perles, pareil, c'est laine. Bon, bah on va finir. Si on fait un kilt simple pour finir le lin. Puissance des sorts 5. Alors ça, c'est toujours le débat. Est-ce que. Puissance des sorts ou intelligence, ça va falloir que je regarde sur Google. À chaque fois, c'est le débat quand je joue un personnage qui joue distance. Avec des sorts, intelligence ou puissance des sorts. Je vais taper Intel or Spell Power. Wow, c'était le cas. Vaut mieux du spell power si on est en cible unique et vaut mieux du de l'intelligence si on farm en AoE d'après Reddit. Étant donné qu'on joue feu, on va plutôt équiper le kilt simple. Très bien. Le reste, on va pouvoir le vendre. Ok. Il va falloir que je prenne mes sorts. Décidément, les tanks,
C'est une espèce en voie de disparition. D'accord. Oh, incroyable, personne qui vend la batterie, je suis choqué. Les étapes de laine, ça coûte cher ou pas? Il y a 8000 offres à scanner, c'est pour ça que ça met du temps. Eh ben. Si ça coûte pas trop cher, je compte en acheter. Ça coûte une grenade. Une PO l'unité. D'accord. Ok, bon, on va se trouver un spot et on va farmer. On va farmer les étoffes de laine. Putain, ils sont serrés, une PO l'unité. Une PO l'article. Très bien le jeu. What the fuck, les amis. Bon, bah faisons. Faisons le déplacement. Ça va être Zeppelin. Attends, ça va être Portail Undercity. Attends, d'abord sort mage, Portail Undercity. Normalement, il n'y a pas de quête à prendre vu que le gars nous a partagé la quête. Zeppelin Grimard. On va chasser les quêtes Thrall, etc. Pour Hachefeu. Et après, bah, ça va être croisé, le fly d'Orgrimmar, le fly de la croisée. Et bah, faire des quêtes croisées, ou au pire, aller chercher la toute dernière quête de Rachefeu à... Ah, sabot... Comment ils appellent c'est sabot de tonnerre en français? Thunderbluff, ouais, c'est sabot de tonnerre, sabot de foudre. La capitale des taurines, on s'en fout, voilà. L'avantage, c'est que le maître des mages est juste à côté du portail. Parce que là, on a dû choper pas mal de ça entre temps, c'est juste qu'on n'y est jamais retourné. C'est archi. Je sais pas pourquoi ils ont pas foutu une maître de classe. Ouais. Alors, explosion des arcanes. Intelligence des arcanes. Trait de feu. Oh, choc de flamme! Premier sort d'Awe et surtout de feu. En vrai, le trait de feu, on s'en sert pas des masses en donjon. Chirosef, explosion arcane. Faut monter. Faut cliquer sur l'arme de transposition. Pouf! Et nous voilà, Fossoyeuse. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont connaître et reconnaître. Je vais quand même descendre à Fossoyeuse pour prendre le fly. Et du coup, Intel des Arcanes ne donne plus 2 d'Intel, mais 7. Ouh! Grosse diff. En vrai, ça paraît nul, mais ça fait la diff quand même. C'est trop bizarre de pouvoir voir des abominations ici. Je me suis toujours pas habitué.
zoomer la caméra parce que ça me fait bégère de la voir circuler, se cogner à absolument tout. Ok, ça c'est good. Nous on n'est pas trop emmerdé avec les maîtres d'armes avec le mage. Je vais quand même demander. Hein. Alors, maître d'armes. Tout en haut à gauche. Je pense qu'on a tous nos types d'armes. Hein. Vraiment, ça a très peu d'armes mage. Logique, tu me diras. Je crois que bâton, dague, épée, je crois qu'on a tout. Hein. Je vérifie sur Google. Je vais regarder. Alors, mage, Botelka, weapons. Bâton, épée, une main, dague et baguette. Ah, c'est ça, bah, on a tout du coup. Tout le monde commence avec les bâtons. Stormwind Undercity, ils t'apprennent dague et tout. Ok, ouais, bah, je vais quand même y aller pour la forme. Effectivement, c'est bon, on a déjà tout. Donc nous, on n'a pas besoin de faire la chasse au... C'est ça, on n'a pas besoin de faire la chasse au... maître d'armes de toutes les capitales pour tout avoir. Ça, c'est un avantage. +50 +48 dans le zone. D'accord. Donc ça fait une boule de feu en 2 secondes de casse qui coûte 2,5 fois plus cher. Donc en gros, ça c'est à faire que s'il y a 3 ennemis. Sinon, ça vaut pas le coup. En spam, je parle. Deux, tu le fais une fois et puis c'est marrant. Ça fait des dégâts de sur la durée après sur la zone. Puis quand on arrivera à Orgrimmar, on fera une pause, pause repas, les amis. Pause repas détente. J'étais persuadé que le transfert c'était. +67. Ça coûte moins cher que. Ah, ça demande d'être proche, c'est ça qui est dangereux. J'étais persuadé qu'on avait le blink, mais ça doit être 18-20. Je pensais qu'on l'avait un peu plus tôt que ça. Ok, c'est bon. Maintenant on peut dézoomer la caméra. Faisait plein d'orgrimmar, clairement on l'a pas. Chier. Je vais en profiter pour faire mes volets. Si jamais il se barre devant nous, je vous préviens. Et voilà, le zeppelin part devant nous. Oh putain. Bon, apparemment le téléphone ne fonctionne plus. Enfin, je redémarre la box. Ça tombe bien, on était sur le point de faire la pause. Bon, eh ben on va attendre le zeppelin. Je vais fermer les volets en attendant.
péter bide dessus ce midi. Ouais. C'est clair. Le Zeppelin de c'est le Zeppelin pour l'extension le fjord du hurlant, c'est cela. Donc du coup ouais, le plan c'est aller en Grimard et puis prendre les quêtes de Rachefeu. Elle est la croisée. J'aurais voulu être niveau 20, mais... Elle est... Non, les quêtes... Je suis désolé. Les quêtes des F200 sont trop dangereuses, quoi. On passera probablement niveau 20 dans... Dans la soirée, si on arrive à faire des donjons et tout. Ça peut aller très très vite. Surtout si on enchaîne des quêtes voilà, qui filent 2000 ans. Ça peut être extrêmement rapide. Allez, de dab, on attend. C'est Lwang. Jouer avec le feu augmente tous les dégâts des sorts causés de 20% et tous les dégâts des sorts subis de 20%. Sinon, je... Acheteur a été trouvé pour un minerai d'argent. Eh ben, elle n'est pas restée longtemps au-dessus, hein. Masse critique, 2% de chance de critique avec les sorts de feu. Ah, changement de décor. On pose notre pierre de fouet à Grimard. Moi j'ai envie de dire oui. Et on part direction croisée. Après avoir fait la quête pour voir Rachefeu là, c'est le faut tuer l'insigne, enfin choper l'insigne de lieutenant. Et direction Thrall après. Ils ont tous l'ours monture d'extension. On verra peut-être un jour. Même ça, je l'ai pas avec ma paladine. J'étais pas max.
Non, les serres rocheuses, ça n'existe pas. Hein. C'est un mythe. Est-ce que Feuille de l'Ombre, il te fit la quête que lorsque tu lui montrais l'insigne de lieutenant? Ou fallait y aller avant? De toute façon, on va y aller quoi qu'il arrive. Alors, on va faire tous avec une monture, ça irait tellement plus vite. Je fais les quêtes croisées jusqu'à monter 20. Plutôt que d'aller directement à... Attends, c'est Python du tonnerre ou Sabot de tonnerre? Moi je sais plus. Hein. Python du tonnerre. C'est du tonnerre. Même ça je me rappelais plus. Au pire, ouais, je fais ça. Hein. Je fais les quêtes pour passer 20. Et là, le même don, je... peut-être que ça ira mieux ce soir. On a passé 2 heures en file d'attente pour faire un donjon. Et ça picote. Donc c'est quand même assez compliqué, quoi.
honneur. Ok les amis, désolé. Alors, tac, on en était où nous du coup, on a fait l'insigne de lieutenant, j'ai fait ma pierre de foyer. Désolé, ce que j'avais. Coup de fil à passer. Du coup... Parce que c'était la nuit de ma nièce. Et du coup, on va valider, voilà, c'est ça, ennemi caché pour nous créer la quête de... Rachefeu. Je sais plus s'ils nous en donnent deux ou une. En fait, je me souviens celle qui demande de tuer tous les trogs. Il y a la sacoche perdue de Sabot du Tonnerre. Tuer Taragaman. Et je crois. Je sais plus si ennemi caché c'est Taragaman ou les trogs. Et il y a. Bah, les bouquins. Celle qu'on a, le pouvoir de détruire. Les bouquins. Mais c'est étrange, j'aurais dit qu'il y en avait 5, moi. Attends, les trogs, la sacoche, le boss... Les livres... J'ai l'impression qu'il y a un... Ah, je dois zapper une quête, je suis trop débile. C'est des quêtes que j'ai fait un milliard de fois, mais j'avoue que là, s'il y en a une cinquième, elle m'échappe totalement. Ennemi caché, ça c'est sûr, c'est une suite, donc c'est pour ça que je me suis jeté dessus. Avant que j'oublie. C'était l'insigne de lieutenant. Tiens, ça se trouve, je vais tomber dessus. Tellement longtemps que j'ai pas fait les quêtes de Rachefeu côté Horde, parce qu'il y a que la Horde qui a les quêtes pour Rachefeu. En même temps, c'est une instance qui est dans la capitale d'Orgrimmar. Les orques et les trolls. Stack que dalle. Tu es la bête. T'as un gamin. Du coup, lui, il va nous demander de buter les... Ah non, c'est Thrall qui va nous demander de buter les trogues. Parce que lui nous demande de buter Taragaman. Putain, ça me perturbe, il nous manque une quête. Boutelka, classique, Rushfire, Gasp, Quest. C'est un truc de malade. Pouvoir des détruire, Slaying the Beast, Searching the Lost Shells. Ouais. Idem et demi. Tester la force de l'ennemi. Il y a deux quêtes à Sabot. C'est tester la force de l'ennemi. Hein, oh, d'accord. Bon bah ça fait 5. Étonnamment. Il me semblait que ouais, il y en avait beaucoup pour la caverne des lamentations côté Horde par contre. On avoisinait les 7. Attends, pouvoir détruire Sling Beast. Testing, c'est Thrall. Non, ennemi caché, c'est Thrall. Pouvoir détruire, c'est Under City. Il y en a bel et bien à 2 à Thunder Bluff.
Incroyable. Ça me tue à chaque fois que j'ouvre le chat. Je vois le dernier follower. Et je vois, il y a écrit le grand boob, ça me tue quoi. Ça, c'est du pseudo. Ouais. Effectivement. Double Thunder Bluff. Bon, on va aller se déco à l'auberge. Dorgrimmar, je vais en profiter pour redémarrer ma box, parce qu'apparemment le téléphone déconne. Et puis on en profitera aussi pour faire pause repas, et puis on reviendra. Que tout ça ce sera fait. Parce qu'il faut manger. Même si ça a réchauffé. C'est juste la pause qui est importante. Tac. Grâce, si seulement j'étais niveau 20. Je serais pas emmerdé. Alors ça va pas proc, du moins pas de suite. Ok les amis, j'espère que cette session de jeu sur vos TLK en défi une vie vous aura plu. C'était la chaîne de Fer, je vous fais de gros bisous et on se retrouve à ce soir. Je vous souhaite bon appétit à tous ceux qui sont en stream, je vous fais de gros bisous à tous nos amis sur la VOD. Tchou tchou!